On est revenu, encore une fois, une perte de connexion à la con. Donc là, j'ai branché sur un câble Ethernet, la PlayStation. Logiquement, ça devrait marcher. Ça marche pas comme ça, honnêtement, j'arrête le stream. Et puis voilà, tant pis pour aujourd'hui. Alors, le sticks. Évidemment. On peut pas nager tranquille à la piscine sans se faire emmerder par les touristes. Ça, c'était forcé. Bien sûr. Alors, Kratos, qui est un dieu, ne peut pas respirer sous l'eau parce que fuck la logique, évidemment. Ah! Rien ne nous sera épargné. Donc le stick, c'est juste en dessous du mont l'Olympe, hein, si jamais vous perdez un jour, si jamais vous êtes paumé, faut le savoir. Ah, il a l'air mal, Kratos. Alors, ça c'est moi quand je fais ma petite promenade du matin. Royaume d'Hadès, très bien. Oh, un petit livre, j'adore lire les livres. Je peux voir ça. Ah, non, je peux pas. Pourquoi? Ok. Non, on n'en a pas fini. Il y a une cinématique toutes les 2 secondes ou Les comment ça se portes de passe? l'Hadès ne m'ont jamais retenu. Est-ce que je pourrais jouer un jour La au mort ne peut jeu? pas retenir ceux qui ont un but, Kratos. Ah. Athéna, Ça, c'est Hal dans la Code langue Quantum. Il hein. n'y a que moi qui peux la voir. Elle peut passer à travers les murs. Et grâce à Ziggy, il me dit qu'est-ce que je dois faire pour que Sam puisse rentrer à la maison. Tu Non, sembles écoutez, encore ça c'était être dans Code la Quantum. tienne. Les apparences peuvent être trompeuses, Kratos. Tout comme les enfants de l'Olympe. Ouais, les enfants de Kratos, l'Olympe, bien mais sûr. souviens-toi, c'est ta lame qui m'a donné Et les enfants du paradis, ma fronde les enfants de était l'Olympe. destinée à Au revoir toi. les enfants de Jean Becker. Trêve de bavardage. En ce Beaucoup de moment, références au cinéma la guerre français de dans l'Olympe God of War. rage. C'est Et pour ça que je joue. l'humanité souffre. C'est ça qu'on veut Laisse-les souffrir. dans cette économie. La mort de Zeus, c'est tout ce qui m'importe. Ah, Zeus ne tombera y a pas un objectif très facilement. clair quand même, le monsieur. Pour détruire le plus grand des dieux, cherche la source de son pouvoir, la flamme de l'Olympe. Bon, j'aurais dit une grosse banane. Tu t'es sacrifié une fois pour sauver Zeus, et maintenant tu cherches à l'anéantir? Ouais. Que nouveau ce changement. Ouais, c'est bizarre ça quand même. Toutes ces vérités, je les ignorais. Peut-être qu'ainsi j'aurai ta confiance. Ah bah il est fort le fantôme. Voici les lames de l'exil. Elles te guideront dans ta quête pour trouver la flamme. Mes gros couteaux vont me servir de GPS. Vous êtes sûre, madame? N'oublie pas, tant que Zeus régnera, l'humanité sera sans espoir. Détruis la flamme, Kratos, et l'Olympe ainsi que ses fondations s'effondreront. D'accord, jeune Moreau. Très bien. Ah ben, on n'a qu'à faire comme ça, alors. L'âme de l'exil, ces lames sont votre meilleur atout contre l'Olympe. X, continuez. Est-ce que je veux continuer? Oui, je veux continuer. Ah, maintenant je peux lire. Enfer, ici j'achève le grand périple que chacun doit entreprendre et dont on ne revient jamais. Effectivement, ça ressemble à la description des enfers ou du cinéma français. Alors, est-ce que... Non. Évidemment que non. Ah bah ça y est, je suis mort. J'ai mal jaugé mon saut, je crois. Ah, il me semblait bien qu'il avait des petites ailes. Il y a un petit comité d'accueil au Styx. Parce que là, la mort, la fin de la vie n'est pas la fin du périple. Mais ce n'est pas la fin de la souffrance, ça n'est que le début. Surtout pour eux. Ça c'est le menu fretin habituel. Hein. Et comme ça, on va en tuer beaucoup, évidemment.
Ceux qui possèdent l'âme véritable d'un dieu peuvent passer. Mais j'ai l'âme véritable d'un dieu. Attendez, c'est Jean-Luc. C'est pas Olivier Mégaton qui arrive aux enfers là. Faut arrêter de déconner. C'est pas moi qui fais les blagues de Toto. Enfin, je crois pas. Non, je suis presque sûr que c'est pas moi. Bon, allez, je vais sauvegarder à chaque fois parce que j'en ai rien à foutre. Peut-être par là. Ouais, j'aime pas les vagues. Alors, je leur pète la gueule. Ah, faut être bien en face, sinon ça marche pas. Kratos est très puissant, mais il est un peu con. Est-ce que je vais là? Peut-être. Voilà. Il se passe quelque chose. Je savais que tu reviendrais, Spartiate. Je t'ai manqué. Pas trop. Armée de Sparte, faites venir une phalange de boucliers et de lances qui repousseront vos ennemis. Appuyez sur R2 pour faire venir la phalange. Utilise-les pour rappeler l'esprit de tes frères. Effectivement. Ça fait très Jack Snyder. Hein. Bon, on dirait un dessin de Frank Miller. Moi j'étais venu pour Frazetta et je me retrouve avec du Miller, pourquoi pas. Je pensais pas écrire un roman avec ça, mais peut-être un Ronin à la limite. Ronin, Frank Miller, vous connaissez pas. Non, allez, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ils sont fair play quand même. Ils pourraient me laisser ça ici pour l'éternité, mais non, si. Si t'arrives à péter la gueule à 30 mecs, tu as le droit de passer. J'aime entendre toute ta souffrance. Évidemment, ça sert à rien. Le chemin est recouvert de ronces. Il est impossible de passer maintenant. Eh ben, je vais prendre le chemin que tu m'obliges à prendre. Ah. Excusez-moi, madame, il y a quelqu'un sur la ligne. Voilà. Ah, c'est un double appel. Voilà. Allez, ne baisse pas les bras, Kratos. Sinon, forcément, tu vas tomber. Un peu de nerf, mon petit. Tu es presque. Voilà. Je crois que la caméra m'a dit que c'est par là. J'aime bien que ça soit clair comme ça. Ok, bah, y a un peu de tout là. D'accord. Ah, il faut faire beaucoup de caisses, hein. Écoutez, c'est pour faire monter les armes au maximum, alors forcément. Oh, il y a quelqu'un. Oh non. Une méduse. Une deuxième, évidemment qu'il y en a une deuxième. C'est très pratique parce que du coup...
le regard de la méduse, vous n'êtes pas censé savoir que ça transforme en pierre par le regard. C'est un peu comme une métaphore de la caméra, finalement. Ça transforme en statue de sel ceux qui captent, comme les sels d'argent qui se collent. Non, vous trouvez pas? Non, bah allez vous faire foutre. Oh, des vagues. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les vagues. Mais je lèche par contre, parce que des fois faut faire le contraire de ce qu'on avait dit qu'on ferait. Je sais pas pourquoi je pense ça, j'ai ma vie au maximum. Et j'ai la magie au maximum, on s'en fout. Voilà, ben, vous savez quoi, on n'est pas sorti des ronces. Toi. Quoi, toi? Qui ça, toi? Ici, il y a une grosse bestiole. Je suis presque... Oui. Je suis quasiment sûr que je vais devoir la tuer. Non. Pas par là. Alors, du coup, il faut que je monte. Non, je peux pas. Peu importe. Si je me mets là, ça ne fait rien. J'ai assez souffert, Spartiate. Hadès, Pyrétos. Il m'a condamné à ce supplice éternel. Ma prison de petit bois. Mais maintenant que tu es là, tu peux me libérer. Je n'ai que cet arc à te proposer. Je t'en prie, si tu me libères, il est à toi. Ah bah, business is business, hein. Un marché est un marché. Et puis un arc, oui, ce serait très intéressant. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pour te libérer. Tu verras. Oui, voilà, c'est ça. Éloigne donc ces flammes ! Non, je ne crois pas, non. Comment faire ? Les dieux ont eu raison de te maudire. Non, ce n'est pas ça. Si je brûle, je ne te serai d'aucune aide. Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'on en est bien sûr? Attention, éloigne ces flammes. Remercie les dieux. Éloigne ça de moi. Tu ne devrais pas jouer avec le feu, Spartiate. Je pense que c'est exactement ce que j'aurais fait, en fait. Imbécile, tu vas me brûler vif. C'est le but. Comment je fais pour aller là-bas? Comment je fais pour aller là-bas? Comment faire? C'est une énigme. Je m'attendais pas à une énigme dans le jeu, pour être tout à fait honnête. Je m'attendais pas là du tout à ça. Les dieux ont eu raison de te maudire. Sans doute. De toute façon, je peux pas monter là. Éloigne ça de moi! Non, mais je dois aller là-bas, c'est sûr. C'est sûr que je dois aller là-bas. Si je brûle, je ne te serai d'aucune aide. Imbécile! Ah! Tu vas me brûler vif! Bah, j'essaye, mais 2 minutes. Éloigne donc ces flammes! Ah, voilà. Juste que j'arrive. Oh! Elles sont très inflammables, très intéressantes. Là, très bien.
Alors ensuite, on va les mettre au four, je pense. Comme ça. Est-ce que ça va vraiment plus vite? Peut-être. Ah ah. Et maintenant? Ah. Vous avez vu ce que j'ai vu? Vous avez compris ce que j'ai compris? Je crois que j'ai compris. J'ai compris la mécanique. Le mécanisme. C'est un petit côté ingénieur de jeu aux jeux vidéo, vous savez. Attention! Éloigne ces flammes! Oh, ferme-la, toi. Alors, on va s'avancer. Faut que je cours. Faut que j'aille assez vite pour que ça ne se referme pas. Ah! Ah, allez! Qu'est-ce que tu fais? Et voilà! Ah oui, je connais lui, il était dans Harry Potter 1, c'est le chien, c'est. Norbert? Non, non, ça c'est le dragon. Ah, comment il s'appelle? Tofu! Tofu, c'est le chien de. De Hagrid. Je veux carrément le laisser s'approcher. Pitié, je ne peux pas mourir ainsi! Tu es au Styx, tu es aux enfers, tu es déjà mort. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort, Nani. On verra. Si tu es sage, peut-être. Si tu finis ton goûter. J'en ai plus fini avec la vie. Ouais, c'est ça, on verra. Tu es aux enfers. Le concept même d'avenir, il est extrêmement limité avec ses paramètres. J'espère que ça va pas brûler l'arc par contre. Et ben voilà, le mec qui était aux enfers est mort. Vous en concluez ce que vous voulez. C'est bon. Ouais. Arc d'Apollon, un arc redoutable qui appartenait autrefois au dieu Apollon. Oui, logique. Tu as remporté l'arc d'Apollon. Ses flèches enflammées dégageront ta route. Bah, j'espère. Attention, des snipers. Et comment je me sers de. Arc d'Apollon, oui, d'accord. Arc. Ah oui, comme ça. Oui, un peu laborieux quand même, hein, mais bon, pourquoi pas. D'accord. Vous voulez dire que maintenant je peux brûler les ronces. Ah oui, d'accord. Intéressant. Oh mon petit père, tu es prisonnier, je veux te libérer. Alors, si j'ai bien compris. Je retourne de là. Voilà. Eh ben non, je vais ici. Je charge un peu la mule. Et ça brûle. Oui, c'est logique. On sauvegarde parce que je suis beaucoup trop mauvais pour avoir confiance en moi. Et on continue. Très bien. Une corde de Minotaure. Vous avez obtenu une corde de Minotaure. Un magicien 2 de plus pour augmenter le pouvoir de votre objet. Oui, d'accord. Pourquoi pas.
Il y a beaucoup de gens qui pleurent aux enfers. Ils n'ont pas l'air contents d'être là. En même temps, si vous passez votre temps à prier devant des mecs qui tombent, vous allez me faire chier. Ah, j'aime bien attraper les mouches pour leur arracher les ailes. Très bien. C'est bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait des gens qui prient, à votre avis? Vous savez ce que je pense de la religion. Exactement. On va aller par là, je pense. Oui, c'est un dieu, mais il s'accroche quand même. Je vous ai dit, hein, Kratos, il a un petit côté Nathan Drake. Il saute exactement comme Nathan Drake. C'est ça qui est intéressant. Il est très Uncharted-esque, finalement. Je sais pas du tout où je vais. C'est ça qui est intéressant. Ok, très bien. Oui, par là. Si ça passe pas par en bas, ça passera par en haut. Comme je dis toujours. On va passer par devant, peut-être que par derrière, là, ça passera. L'important c'est de mettre le pied dans la porte, enfin le ou le doigt ou peu importe. Là je m'accroche et je sais même pas si je peux m'accrocher. Juste des enfers. Ah, ça devient judiciaire maintenant, c'est intéressant. Peut-être qu'on doit se confronter à des textes de loi. Peut-être qu'il faudra défendre une thèse. Ouais, j'en suis pas persuadé en même temps. Un message est gravé sur la plaque. Quiconque veut être jugé doit auparavant passer les épreuves des rébus. Ah, peut-être que ce sera des rébus alors. C'est étrange, j'ai l'impression que ce sera pas du tout un rébus. Jugement 1, le condamné, alimenté par la peur, les égarés du monde et d'en haut, n'ont nulle part où se réfugier pour échapper à leurs péchés. Venez à bout des âmes perdues et des sbires qui déterminent leur sort. Ce sera pas unanime. Je pense qu'il faut péter la gueule de ces mecs. Oh oh. Il faut tuer les humains aussi, sinon ils se transforment en monstres. Il faut tuer les humains en priorité. Bon, ils sont pas très dangereux en même temps. On leur rend service en les tuant, hein. Ah bah oui, Poséidon est mort.
Je vais casser la gueule. J'en avais marre que la mer soit toujours froide. Je voulais que la mer soit comme Gilles Bardot dans Le Mépris. Je voulais qu'elle soit chaude et humide. Ah bah c'est le but, oui. Si t'avais pas compris jusque là, pardon, mais... Voilà. Jugement d'eux, les égarés. Pourquoi les jambes condamnées d'Hadès continuent-elles de chercher leur salut, alors qu'elles sont à jamais maudites? Tuer les jambes égarées avant qu'elles ne rejoignent l'armée d'Hadès. Aucun problème. Ah oui, d'accord. Oh, d'accord. Oula, 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 oula. Pas toi, l'autre. L'autre, toi. Ah. Ça, c'est mon côté corrida. Ah non! On se croirait à Nîmes. J'ai horreur de Nîmes. J'ai horreur de tout. J'ai horreur des villes. J'ai horreur de ce jeu. Je hais ma vie. Allez mon mignon. Ce soir, c'est peut-être de l'eau pour Josine Balasco. Jugement 3, l'élu. Pour passer les portes de l'Elysée, comme Michel Drucker, il faut davantage que de la persévérance et de la force. Persévérance, ça c'est pas facile à dire comme mot, persévérance. Avancez pour subir votre jugement et prouver votre valeur. Détruisez tout. Oui, bah, c'est le plan général, détruisez tout, sans déconner. Oh, une méduse, merde. Le plan depuis le début, c'était détruire tout. Ah! Oui, bah je sais. Ah, c'est pas facile. Hein. Dans les têtes de la méduse pour transformer en pierre le sac de bœuf là. Est-ce que ça va marcher? Non, si, ça marche. Oui. Aïe, c'est là, c'est pour Depardieu. Comme dirait Gérard. On n'est pas bien là. Hein, la couille, hein. Et voilà, j'ai passé les jugements. Par ordre de Zeus et des dieux. Qui surprenamment consistait à péter la gueule à d'autres monstres. Pourquoi 3, pourquoi pas 4 ou 5 ou 2. Le roi Éac t'a trouvé des. Le roi Éac. Le roi Rhadamant t'a trouvé. Pourquoi vous avez tous des noms de rappeurs? Et c'est à moi, le roi Minos. C'est vrai que tu t'appelles Minos? Je vais t'appeler Minou. Le royaume de la mort n'est pas encore prêt à t'accueillir. Ah bah j'espère bien. Ta destinée t'attend derrière cette porte. Vous êtes obligé de prendre cette voix ridicule. Je peux pas les péter ces trucs. Non. Évidemment que je ne peux pas. Vous appelez ça une porte? Moi j'aurais dit un anus de démon, mais bon. Nul n'est juge, hein. Évidemment. Waouh, je suis passé de l'autre côté.
quoi ça? Il y a des petites lumières, mais je sais pas pourquoi. Ok, on dirait un gland. Ah, oh. Zut. Il est rapide. Il y a Gérard qui veut jouer au bongo avec ton crâne. Chez les bongos, on est bon gars pour le bingo. Alors, ensuite on avance. Ce saut me semble un peu juste, mais ça passe. C'est chaud. Aujourd'hui il fait 39 degrés ici à Roll. C'est un record de température depuis la Rome antique. Calliope, tu n'es pas ma fille. Non, mais je sais qui tu es. Tu me connais. Ils avaient dit que tu... Ah bah il est très connu, Kratosseur. Montre-toi, Hadès. Encore une de tes ruses. Comme toujours, Spartiate, tu te trompes sur toute la ligne. Ah bah il est pas fut-fut en même temps. Quelle impatience, Kratos. Détends-toi. Le moment viendra bientôt de jouer ensemble. Ok. Voilà qui a été bien... suspicieux. Bah alors. Voilà. Est-ce que tu es obligé de faire ce petit bruit à chaque fois, vraiment? Voilà, ça va plus vite comme ça. Faut aller à l'essentiel de l'eau. C'était ma responsabilité, c'était à moi de l'élever et de lui apprendre à distinguer le bien du mal. Aujourd'hui, ceux qui s'en approchent souffrent ou meurent, son épouse, son enfant, son frère, mais comme moi-même. J'ai échoué, en tant que mère et en tant qu'être humain. Ses péchés sont les miens, punissez-moi pour ses fautes et accordez-lui la rédemption. Oui, normal. Heureusement que c'est pas Fat Kratos, hein, sinon il passerait pas. Disons, mais c'est aussi serré qu'un budget de film français. Oh oh. Ok, ils explosent quand ils meurent. Intéressant. Où j'en étais? Très bien. Alors. Il se passe quelque chose. Oui, des ronces, une plateforme. Oui, je vois, j'ai compris. C'est bon. Oui, j'ai compris.
Non, mais c'est bien que le jeu soit adapté pour les joueurs d'un niveau de 5 ans, de CP au mieux, mais là quand même. Oui, j'ai compris que là, je passe là comme ça. Alors, tac. Non, ça me rappelle un tournage. Des sensations plus qu'une image précise. Il y a un tic-tac. Simplement. Donc, ensuite. Ok. Comment faire? Que suis-je censé faire? Exploser des choses, oui, mais... Évidemment, il y en a d'autres. Si je le pousse. Ah, ça fait plus de vapeur. Très bien. Non. Ah. Ok. Très bien. Aha. Je suis un génie. Toutes ses mains. Plume de phénix. Vous avez obtenu une plume de phénix. Ramassez-en deux de plus pour augmenter votre jauge de magie. On se croit à un concert de Johnny Hallyday. Regardez toutes ses mains. Attendez, mais ça sert à rien d'aller là. D'accord. Très bien. Tout ça pour ça. Petite roulade. C'est pour imiter Charlize Theron dans The Old Guard sur Netflix.
faut que je suive cette personne. Alors, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez vivant? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes, pardon, publicitaire? Ah, très bien. Des statues avec des gros marteaux, normal. Ces terres desséchées s'étendent à perte de vue. Ce sont les abîmes du Tartare. Je savais que je finirais là, un jour ou l'autre. Je savais que je finirais au Tartare tôt ou tard. Évidemment. Évidemment. Non, non, je m'en vais. Ils ne seront rien du tout, monsieur Pliss. Oh. On peut pas. Bon, eh ben, on va leur casser la gueule alors. Si j'avais un marteau, je taperais le jour, je taperais la nuit, je mettrais tout mon cœur. Ça c'est ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Bon, ça change rien à la problématique, hein, qui est que je vais devoir sauter quand même et aller là-bas. Attends sur la caméra, ouais, ça passe. Hey Faistos, mon ami. Ou alors c'est Gérard Depardieu, je suis pas sûr. Gérard, c'est toi? Ah, oh, t'as maigri, c'est bien. Laisse-moi tranquille. Je te le dis, j'ai payé le prix. Calme-toi, Dieu. Jean-Luc, c'est toi. Qu'est-ce que tu me veux? Le fantôme de Spark. Ah, t'as bonne mine, Gérard. T'as l'air d'aller beaucoup mieux. Bien, bien, bien. Ça me fait plaisir de te voir en gros plan, là, comme ça. Zeus t'aurait déjà éliminé. Je n'imaginais pas te voir encore dans cette caverne. Bah, c'est juste qu'il arrive plus à sortir. Vous comprenez, la masse est devenue tellement importante que maintenant, les atomes de sa peau ont fusionné avec les atomes de son fauteuil. Je ne poursuis qu'un seul Olympien. Eh bien, tant qu'il ne s'agit que d'un seul Olympien. Son rire fait vibrer ma manette. Je pense que c'est à cause de l'odeur. La flamme de l'Olympe. Que sais-tu sur elle? Et pourquoi, Spartiate? Pour des raisons qui m'appartiennent. Maintenant, dis-moi ce que tu sais de cette flamme. Tous les enfants de l'Olympe connaissent son existence. Nous avons appris à respecter son pouvoir. Mais ne te laisse pas duper par cette flamme trompeuse. Aucun homme ni aucun dieu ne peut toucher ce feu mortel. Je dois simplement la trouver. Pourquoi diable es-tu en train de jouer avec cette énorme crotte de nez? Si tu as su retrouver ton chemin dans les enfers, je suis sûr que tu trouveras ton chemin jusqu'à la flamme de l'Olympe. Ah bah va te faire foutre. Tu as été d'une aide précieuse, Héphaïstos. Si tu veux pas m'aider, va te faire enculer. Si je lui pète la gueule, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait quoi si je fais ça? Ça ouvre ici, pourquoi pas. Je le péterai la gueule plus tard de toute façon. A plus tard Gérard. C'était un plaisir de te retrouver comme d'habitude.
Oh. Évidemment. C'est bizarre pour moi parce que j'adore les chiens. J'en ai un que je promène tous les matins pour aller chercher les baies, le monde et Figaro. Si mon petit marchand de journaux. Avec Anne, je fais des petites revues de presse comme ça. Il n'y a rien du tout ici. Je peux pas passer par-dessus. Non, c'est pas par là. Je sais pas ce que je fais ici, mais c'est pas par là. Peut-être là. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Regarde les hommes tomber. Mon épée. Je cherchais partout. Comment me connais-tu ? Tu es le fantôme de Sparte. Elle a vu le début du film. Tout le monde sait qui tu es. Tout le monde a peur de toi. Ah, c'est sympa. C'est flatteur. J'aime bien. Je n'ai pas peur de toi. C'est bien de ne pas avoir peur, fillette. La peur est un lourd fardeau. Je ne suis pas une enfant, Kratos. Peu importe ce que tu es, j'ai d'autres préoccupations. Kratos, je t'en prie. J'ai besoin que tu me libères. La quête de la liberté est aussi un lourd fardeau. Évidemment. Je ne peux rien pour toi. Oh, mais si, il va la libérer. L'âme de l'Olympe, où j'aime écouteront la colère de la lame qui a mis fin à la grande guerre. Récupérez la lame de l'Olympe. Laisse la rage de Sparte remplir ton âme. J'aime beaucoup ce couteau, il est en céramique. Ok. Ça, c'est les minions de Gozer. Ok. Faut que j'aille là-bas. C'était totalement gratuit. Dégage. On va se regarder encore une fois.
Après tout, on en est qu'au début du jeu. Ils essaient de me foncer dessus pour exploser, mais ils peuvent pas. C'est triste. Donc, maintenant, je peux cramer ça, donc. Le problème, c'est que ça va réveiller ces deux gros trucs, là. Oui, voilà. Évidemment. Tête par tête, ça va être très compliqué. Cela dit, qu'on n'y aura plus qu'un à tuer, ce sera deux fois plus facile. Je suppose que cette deuxième tête n'était pas un point vital non plus. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Très bien. Je comprends pourquoi Zeus était obsédé par toi, Kratos. Tu es un vaillant guerrier. J'allume la clim. Ah bah oui. Un cœur variant. À cœur de Michel Vaillant, rien d'impossible. Très jolie fresque. Elle a l'air un peu lourde. Légèrement. Très bien. Ah! Et voilà le travail. Oh, c'est joli. Mais pourquoi tu recules? Palais d'Adès, tu dois pas être très loin. On verra. Qui verra bien, verra le dernier. J'ai envie de te dire.
Cette canicule est affolante. Mon objectif, ça sera déjà de finir le jeu avant de mourir. Ce sera déjà pas mal. Et si j'y arrive, je ferai le God of War sur PS4. Ce serait bien. Ça s'est refermé, d'accord. Ouais, très bien. Non, pas par là. Ouais, d'accord. Alors, on va mettre ça. Ah, évidemment. Ah oui, d'accord. J'ai compris. On va le bloquer. Et en le bloquant, ça l'empêchera de... Voilà. Juste en dessous. Voilà. Ça reste ouvert. Donc maintenant, pour monter, peut-être par là. Ah! Mais je t'emmerde. Allez. On prend le médicament. C'est l'heure de la pilule. Comme on me dit tous les jours. Un petit coup de dentiste. C'était une grosse carie, madame. Tiens, dégage-toi. J'aime pas les bêtes. Hop, petite roulade. Hadès, où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Attends. Il y a un truc à lire. Et on peut pas le lire. D'accord. Soit. C'est Athéna. C'est à moi maintenant de te faire payer pour toute la peine que tu as infligée. Ah, je crois que c'est sa femme. Une épitaphe est inscrite sur le socle. Cégy Perséphone, reine des enfers, épouse Hadès. Oups. Il est possible que j'ai tué Perséphone dans un précédent jeu de God of War. Je crois que Hadès m'en veut un peu. Eh bien, soit. Haha. Ah, c'est un mur. Je le savais. Prendre ça. Rien du tout ici. Non, on peut pas. Bon, on peut pas. Il doit bien se passer quelque chose pourtant. On peut pas s'arrêter là. Ah, une échelle.
Encore plus de sous, très bien. Très bien, deux plumes. Eh ben, je me la foutrai dans le cul. Alors, ça servait à rien non plus. Donc, qu'est-ce que je fais ? Peut-être que si je brûle l'arbre, ça le mettra en pétard. Qu'est-ce que je dois faire pendant ce temps? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah, je sais que ça va se refermer, mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà, ça se referme et ça se referme sur... Je sais pas. Ça, ça s'ouvre. Ça doit vouloir dire que quelque chose s'est ouvert. Là, je peux pas sauter. Là, je peux pas y aller. Je vois même pas. Non, mais c'est trop loin. Non, c'est trop loin. C'est trop loin, je peux pas dire ça. C'est quelque chose que je peux faire du haut. Il faut réfléchir un peu. Il y a un mécanisme ici à accomplir. Ah, il est resté ouvert. Non. Qu'est-ce que c'est? Monter tout en haut peut-être. Non. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, bah voilà. Des échelles, merveilleux. J'ai débloqué des échelles avec le cadavre de la femme d'Hadès. Allez. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, j'ai compris. Ok, alors. Voilà. Toujours une espèce de mécanisme. Non, pourquoi je descends? Non, mais... qu'est-ce que tu fais là, Kratos? Ah, parce que... Oui, d'accord. Je vais me servir de la même pour... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ouais, mais ça, j'ai plus besoin que ça soit fermé. C'est ouvert, je veux dire. Voilà. Je prends ça. Ah!
de Sparte remplir ta larme, Kratos. Non, elle est bien là comme ça, madame. Room service. Ah oui. Laisse-moi juste pousser un peu. Oh, mais pourquoi j'ai pas le temps de. Là, il va y avoir un autre truc bloqué. T'es encore là, toi? Il doit y avoir une espèce de. Ah là 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 là. Ah d'accord. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. J'aime bien faire ça. Voilà. Et là, j'ai un temps limité pour faire ce que j'ai à faire. Mais oui. Mais bien sûr. Maintenant que j'y pense. Voilà. Ça va se refermer sur sa putain de main. Et voilà. Mais ça, c'était pas pour. Oui. Maintenant, il y a l'autre. Effectivement. Alors. On refait. Encore une fois. Et maintenant, je monte là. Tes bras sont ouverts. Ça se referme. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à détruire la statue et c'est bon. C'est tout à fait logique et prévisible. C'est exactement ce qu'on se dit quand on se voit une statue géante de d'Hadès. Je vais prendre ce corbillard pour péter cette putain de statue. On va le refaire. Ce décor est très mal éclairé. Ah oui, thérapie de couple, bien sûr. Ah, c'est peut-être une MST. Oh, tous ces souvenirs, ils sont douloureux, vraiment. Voyons, combien de péchés as-tu commis contre moi? Ah, c'est vrai, tu as tué ma nièce Athéna.
Ah, elle s'est jetée sur moi. Elle est tombée dans les escaliers. Tu as tué mon frère, Poséidon. Ah, c'était un sale con. Et je n'ai pas oublié que c'est toi qui as massacré ma splendide reine. C'était une pute. Je te ferai souffrir. Enfin non, c'est une insulte pour les putes. Mais c'était vraiment une conne. Ton âme m'appartient. Écoutez, moi je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers. Et vous, vous me parlez solidarité avec les dieux de l'Olympe. Vous êtes un con, monsieur. Alors, bonjour, Hadès. La bêche, ça va? Allez. On dirait pas. Ton domaine, c'est surtout mon domaine. Par contre, j'aime beaucoup tes lames, alors je vais les prendre. Elles ressemblent un peu aux miennes, tu trouves pas? Tu trouves pas qu'il y a un lien? On dirait pas. Regarde, si je fais des petits trous, toujours des petits trous dans ta chair, toujours des petits trous. Oh, c'est une belle barbac, ça. Ça va faire un barbecue extraordinaire. Non, non, non. Non, il faut empêcher la viande de revenir. Voilà. Il faut l'empêcher de se reconstituer comme un puzzle. Oh putain. Ah. Ah non, fallait là. Oh putain. Ah oui, là il est très énervé. Aïe aïe aïe. Ouf. Aïe. Ok, bien sûr. J'ai plus beaucoup de vie. Tu commences à me fatiguer, mortel. Mais je ne suis pas un mortel, arrêtez de m'insulter. Qui vous dit que je suis un mortel, monsieur? Vous préjugez de mon genre? Ah, ça l'a vraiment énervé, je crois. Aïe, aïe, aïe. C'est qu'un mauvais moment à passer. Tu parles pour toi, là? Et voilà. Une petite impalicite. Non, on revient pas vers papa. Non, non, non. Non, 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 non. Eh, merci pour la vie, Troduc. Je l'appelais Troduc. Vous avez entendu? Par là. Ah oui, là, il est vraiment très en colère. Ouh! Ah! Il peut invoquer des âmes. J'aime bien que tu te laisses faire comme ça, là. Ça rend nos apports très intimes. La douleur. Effectivement, la douleur. Est-ce que je peux lui arracher la tête maintenant? Oh oh. Wouhou. Ta souffrance est jubilatoire. La tienne, elle est jouissive. Connard. J'aime beaucoup, dis donc. Non, 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 non. Je remonte. Ton âme ne me rend pas de plus puissant. Ah. Ne sera que le début de tes souffrances. Allez, viens. Abandonne, Kratos.
tu as dit au royaume des enfers, je pensais pas que c'était possible hein, quand même. Là on parle d'un truc. Alors, elle est toujours jubilatoire, mais putain de souffrance, fils de pute. J'ai buté Hadès. Griffe d'Hadès, ces crochets qui appartenaient au seigneur Hadès vous permettaient d'arracher les âmes. Oh oh. Ah ouais, je préfère ce qu'il faisait le monsieur. Oh, d'accord. Il est pas mort. Wop, putain. Non. Ah. Ok. Tu prends comme ça. Aïe, aïe, aïe. T'es sûr qu'on peut pas négocier? Oui, par là. Je l'emmerde ton royaume. Aïe aïe aïe. Alors comment tuer un dieu, voyons voir. Comme ça, oui. C'est une méthode comme une autre. On lui arrache l'âme directement du corps, oui, pourquoi pas. C'est assez Orphée, hein. Waouh, j'ai aspiré l'âme d'Hadès. Comme Brigitte Bardot avait aspiré l'équipe. D'un film de Roger Vadim. Waouh. Je crois que ça a énervé tout le monde de tuer le patron. Mais tout va bien, hein, comme disait Yves Montand et Jane Fonda, tout va bien. Ah bien voilà, c'était Je vous salue Hadès. Ah, il s'est pris une nouvelle vague. J'ai fait un trait d'humour. Eh ben je vais m'arrêter là moi. Je ferai pas mieux aujourd'hui. Je ferai pas mieux que Nouvelle Vague. Et puis de toute façon on avait dit que quand on tuait un dieu on arrêtait, donc voilà, c'est très bien comme ça. Donc je m'arrête là pour cette fois et puis je vous retrouve très vite sur Jean-Luc Godard Gaming pour une nouvelle vidéo de God of War 3. A plus tard les facas. Passez une bonne canicule.